Vas-y. Bonsoir à tous et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du stress oxydant et de l'homéostasie redox et des produits redox également. Donc bienvenue et on va découvrir des informations en effet que vous méritez de connaître. Donc on va passer au slide suivant. Il y a un petit slide sur. Oui, Sylvie, vas-y. Tu peux nous dire un peu qui tu es et... Oui, bien sûr, oui. Donc, je m'appelle Caroline Latuca, je suis naturopathe. Je suis également praticienne BBA, donc c'est Bye Bye Allergie, pour les allergies, les sensibilités de peau et les intolérances. Et puis, je suis également facilitatrice et praticienne accessoire. Voilà, donc moi, ça fait une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant que je m'intéresse à la naturopathie. Suite à un problème de santé. On m'a enlevé la thyroïde alors qu'elle était saine, en fin de compte. Et donc, je me suis retrouvée avec du lévothyrox à vie en complémentation, avec tous les effets secondaires que ça peut entraîner, évidemment. Et puis, il y a quelques années, j'ai déclaré un cancer du sein suite à un gros choc émotionnel. Et bon, je me suis suivie avec la naturopathie, mais j'ai un gros challenge de santé quand même. Je suis réaliste à améliorer, on va dire, et à rénover. Hein. Donc, les traitements lourds ne sont pas sans conséquences sur le corps et sur la physiologie. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a permis de rencontrer certaines personnes. Et puis, j'ai une amie qui m'a intéressée à CA. Et depuis, les molécules redox font partie de ma vie. Donc, j'ai rénové pas mal de choses grâce à elle. Donc, le petit slide qui suit, c'est cette présentation que vous avez présentée par un associé indépendant d'ACA et non l'entreprise ACA. Les informations durant cette présentation ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie ou un état médical. On va juste parler, en fin de compte, de la physiologie et par la suite de ce qui va pouvoir nous aider. Donc, la biologie redox n'est pas toute nouvelle. Hein. C'est quelque chose qui commence à arriver aux oreilles de tout le monde. Mais malgré tout, il y a une vingtaine d'années déjà que c'est connu au niveau du milieu scientifique et que 3 chercheurs ont découvert que les molécules de signalisation redox n'étaient pas seulement un déchet des mitochondries, mais étaient très importantes pour le milieu cellulaire. Et cette année, c'est tenu à Paris... à Marie Curie, donc une conférence internationale hein, sur le stress oxydatif, hein, le stress oxydant et l'homéostasie redox. Donc c'est ce que j'ai choisi comme thème ce soir, parce qu'on n'aura pas accès de toute façon à ce genre de conférence, c'est en anglais souvent, et puis c'est trop technique et trop... on va dire un petit peu, c'est entre biologistes, donc là on ne va pas y comprendre grand chose et ils vont partir dans des choses beaucoup plus poussées. Donc on va revenir nous à la base avec la cellule qui est à la base de tous les systèmes. Donc on peut voir sur cette petite image que les atomes sont les premiers hein, avant la molécule, et puis on va avoir au niveau cellulaire donc les cellules qui sont composées eux-mêmes d'organites hein, et qui sont eux-mêmes constituées de molécules. Et puis à partir de ça, on va avoir une cellule musculaire par exemple, là, on parle vraiment de au niveau tissu musculaire lisse. Et on va arriver au niveau tissulaire, par exemple, pour le vaisseau sanguin, hein, au tissu musculaire lisse, au tissu conjonctif, au tissu épithélial, etc. Et on arrive là au niveau des organes, qui sont formés de différents types de tissus. Hein, tous les organes de notre corps sont comme ça. Et on arrive aussi au niveau des systèmes, donc le système cardiovasculaire, le système endocrinien, le système intestinal, et j'en passe. Et ensuite, en tout dernier, on va arriver seulement au niveau de l'organisme, qui est composé de l'ensemble de ces systèmes. Donc, on voit que la cellule est vraiment à la base de tout. Et une fois qu'on agit sur les cellulaires, et bien évidemment, moi, c'est ce qui m'a plu, parce que ça se rapproche de la naturopathie, on va arriver vraiment sur le fond du problème. Voilà. Et c'est ce quoi on est destiné en naturopathie à expliquer aux personnes et à vraiment à prendre le problème de fond, on va dire. Voilà. Et là, on va vraiment être sur la base de tout, hein, au niveau de la cellule. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, le stress oxydatif, c'est quand notre corps rouille de l'intérieur vers l'extérieur. En effet, on connaît bien le stress oxydatif, l'oxydation. L'oxydation, il y a oxygène dedans. Il ne faut pas oublier que l'air qu'on respire, s'il est nécessaire à la vie, il contient 21% d'oxygène et il va également produire du stress oxydatif. Donc, en gros, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est le même phénomène, en fin de compte, qu'une pomme qu'on va couper en deux et qui, au contact de l'oxygène, va avoir une oxydation et va brunir.
Alors, on peut faire la même chose avec une banane, et puis c'est la même chose pour les ferrouilles. Hein, et on appelle ça justement les ferrouilles au niveau du corps. Donc, l'action est identique sur nos cellules, hein, bien entendu. Et le simple fait de respirer entraîne ce phénomène d'oxydation, comme je vous le disais, sur les molécules et sur les cellules. Ce phénomène, bien qu'il est naturel, il peut être néfaste s'il est en excès. C'est comme tout, il faut une balance, notamment pour les molécules lipidiques et protéiniques, ainsi qu'une altération des mitochondries et de l'ADN. Donc évidemment, les cellules qu'il altère en affectant leur imperméabilité va les exposer aux radicaux libres parce que leur petite enveloppe tout autour ne va plus être aussi perméable, enfin imperméable, on va dire. Et du coup, elle va laisser passer pas mal de radicaux libres qui vont la grignoter petit à petit. Et ça va entraîner leur destruction. Donc là, on le voit sur le petit l'homme sur le côté. Donc on a vraiment la respiration, les productions de substances nuisibles liées à l'alimentation, au stress, enfin vraiment à tout ce qui est vraiment lié à notre mode de vie, qui produit les radicaux libres. On a une dégradation des cellules de l'organisme et pour finir, un vieillissement prématuré souvent et une implication dans certaines maladies dites de civilisation, cancer, système cardiovasculaire, maladies dégénératives, etc. Tu passes, voilà. Donc, tout élément en excès, c'est ce que je vous disais, c'est souvent l'excès qui est à l'origine de tout, peut devenir un radical libre et produire du stress oxydatif. Donc là, on a un petit peu un exemple de tous les toxiques et de tous les polluants qu'on appelle, nous, en naturopathie, les facteurs perturbateurs de santé. Donc, on a tous les déchets métaboliques, évidemment. Donc, tout ce qui est lié au métabolisme humain et à la respiration, à la digestion, etc. Donc, c'est vraiment les systèmes endogènes. Et puis, on a tout ce qui est exogène. Donc, on a la mauvaise alimentation, on a le tabac, on a les produits alimentaires en excès, les manques d'oxydants, les drogues, alcool, polluants de l'air, médicaments, sédentarité. Les maladies chroniques, évidemment, vont découler de l'autre côté avec le stress psychologique, le psychosocial, l'émotionnel. Il y a également tout ce qui est pesticides, herbicides et autres qui vont entrer encore dans notre alimentation et qui vont rajouter des polluants. On pourrait parler encore des vaccins, on pourrait parler de l'eau avec les métaux lourds hein, qui sont vraiment dans l'eau. On a l'alimentation qui est morte maintenant, qui est sans vitalité. On mange très peu de choses crues. L'alimentation vivante est une alimentation à partir de crues, principalement. Et puis, on a un manque d'activité, souvent, ou un excès d'activité avec les grands sportifs qui, eux, vont avoir une inflammation chronique quasi constante hein, et qui est aussi néfaste pour la santé que le manque de sport. Et puis, ça va induire également un manque de sommeil, un sommeil irrégulier, entrecoupé par des réveils nocturnes à certaines heures en fonction des organes qui vont être touchés. Et évidemment, ici, on insiste sur le fait que tous les phénomènes inflammatoires, hein, quels qu'ils soient, c'est dans la répétition et l'intensité du processus qui crée un déséquilibre hein, et qui génère des dégâts biologiques et le vieillissement. C'est surtout ça. C'est surtout la répétition et l'intensité de ce phénomène. Et l'inflammation touche évidemment, encore une fois, tous les systèmes et toutes les cellules et les molécules de notre corps. Donc, les radicaux libres, mais voilà, là, j'aimais bien cette petite image, je la trouvais assez marrante. Donc, on a le petit radicaux libre en rouge. Hein, les radicaux libres, c'est des atomes hein, ou des molécules instables qui comprennent qu'un seul électron, donc c'est un électron libre, qui va à tout prix, parce que c'est la loi de la nature, qui va à tout prix essayer de trouver un autre électron parce qu'ils doivent être en groupe de deux. Et pour ce faire, il va arracher un électron à la molécule la plus proche en provoquant une réaction en chaîne. Et notre corps étant constitué de molécules contenant des atomes et eux-mêmes entourés d'électrons, ben ces derniers, pour être stables, doivent être groupés. Donc, c'est la loi. Et donc, il va aller piocher comme ça autour de lui des autres molécules pour pouvoir se stabiliser. Et ce faisant, évidemment, ben, ces réactions en chaîne vont entraîner plusieurs choses, dont le stress oxydant. Voilà. Donc, on appelle ça la réaction d'oxydoréduction ou la réaction redox. C'est une réaction chimique hein, au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons, comme je vous le disais. Donc l'électron, le radicaux libre va aller chercher, va aller puiser des électrons dans les molécules à côté de lui. Et l'espèce chimique qui capte les électrons s'appelle un oxydant. Et celle qui la cède s'appelle un réducteur. Donc c'est là la biochimie redox dans son ensemble. Donc là, vous avez vraiment réducteur oxydation, hein, vraiment pour la pomme. Et puis les électrons qui vont aller chercher les autres, qui vont aller piocher dans les autres molécules pour pouvoir se stabiliser. Donc, la théorie des radicaux libres liée au vieillissement humain, on sait plus qu'une théorie maintenant, on a beaucoup de preuves scientifiques, on a beaucoup d'études là-dessus. Donc, les preuves supportant la théorie des radicaux libres sur le vieillissement sont notamment des altérations. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'ADN principalement, sur les lipides et les protéines.
Et puis, une croissance de nombre, du nombre de mitochondries anormales, donc une exagération, on va dire une accélération de la reproduction, hein, avec une dégénérescence souvent. Hein, et c'est avec l'âge en plus hein, que ça va accélérer les choses. Et cette accélération est démontrée avec l'âge avec un rayonnement ionisant. Et la superoxyde, la dismutase, dans la trisomie 21 notamment, mais bon, il y a beaucoup d'autres choses qui vont être concernées par rapport à l'altération de l'ADN et la mutation. Donc là, on voit bien l'altération de la mitochondrie en haut, et lorsqu'on va voir en dessous que la mitochondrie est vraiment essentielle pour produire les molécules redox, là, évidemment, on a des soucis à se faire. Donc on a vraiment le radical libre qui perd un électron, qui va aller chercher l'électron dans les molécules à côté, et ce faisant, bien, il va grignoter cette petite surface qu'on voit là avec les petits anneaux jaunes. Et petit à petit, on va se retrouver avec l'image d'après, avec une cellule qui va muter, qui va dégénérer. Sylvie. Voilà. Donc, on a une cellule normale. Au milieu, c'est une cellule qui commence à être attaquée par des radicaux libres. Et à la fin, c'est une cellule avec du stress oxydatif. Donc là, le stress oxydatif, c'est quand vraiment on a un déséquilibre entre oxydant et réducteur. Et la cellule finit par se désagréger ou alors muter. Et devenir une cellule maligne. Et évidemment, on a ce processus cellulaire dans tous les systèmes du corps, puisque comme on l'a vu au départ, la cellule est à la base de tout. Donc voilà, donc dans le fonctionnement idéal, dans un monde idéal aussi, la production de radicaux libres et les défenses antioxydantes de la cellule se trouvent en équilibre. Donc là, c'est dans l'idéal. Évidemment, cet équilibre est plus que fragile et mis à mal dans nos sociétés modernes, hein, où les facteurs perturbateurs de santé, comme je vous disais, entraînent vite un excès de radicaux libres et un déséquilibre avec les antioxydants. C'est la principale cause du stress oxydatif. Voilà. Et ce stress oxydatif, évidemment, va générer beaucoup d'inflammation, comme on disait au départ, et à partir de là, entraîner encore des processus dans le corps qui vont être de plus en plus délétères, et pour les cellules, et pour l'ADN, et pour les télomères, etc. Donc, les maladies liées au stress oxydatif, donc on appelle ça les maladies dites de civilisation. Donc, on a la dégénérescence maculaire avec les yeux. On a, par exemple, avec le cœur, les maladies cardiovasculaires, l'ischémie du myocarde, la peau avec le vieillissement de la peau, les rides, etc. Mais aussi le psoriasis, les mélanomes, surtout avec le soleil et puis les rayons qui sont vraiment très nocifs de plus en plus, d'ailleurs. Les reins avec l'insuffisance rénale, les néphrites, etc. Les articulations avec l'arthrite rhumatoïde, l'arthrite classique. On pourrait également parler d'arthrose, on pourrait parler de dégénérescence et avec tout ce qui est, pour les femmes un peu plus âgées, l'ostéoporose, les poumons avec l'asthme, les allergies, le cancer, le cerveau avec Alzheimer, Parkinson, les embolies, les cancers, l'autisme, mais aussi tout ce qui est attaque au niveau rupture d'anévrisme, le système immunitaire avec les réactions auto-immunes, les inflammations, le lupus, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, et puis le sang avec l'hypertension, l'athérosclérose et évidemment le vieillissement prématuré, le diabète, la fatigue chronique, la fibromyalgie et bien d'autres maladies qui vont toucher divers organes. Donc tout ça, c'est le stress oxydatif qu'on a vu avant qui vont générer toutes ces maladies-là. Et le stress oxydant touche évidemment tous les tissus des métabolismes et des cellules de notre corps. Donc l'homéostasie, donc on va revenir un petit peu sur ce que c'est. Donc c'est notre base en homéopathie, hein, c'est la capacité d'un système à conserver son milieu interne en équilibre malgré les contraintes externes. En gros, c'est-à-dire que toutes nos constantes reviennent toujours à la normale. Si on prend les constantes de la transpiration, les constantes pour maintenir notre température corporelle, pour la digestion, pour l'équilibre de la peau, l'équilibre hydrique, le métabolisme des graisses ou le métabolisme des protéines, etc. Donc le corps essaie toujours de revenir à la normale. Notre sang, par exemple, varie très très peu. Hein, la circulation sanguine est toujours à peu près identique, le sang est toujours à peu près au même degré d'acidité au niveau équilibre basique, ça varie très très peu. Et donc, tous les mécanismes corporels entrent dans ce processus d'homéostasie. Donc, on a le rythme cardiaque qui va essayer de revenir toujours à la normale, la respiration, la sudation, etc. Et il en va de même, évidemment, pour l'homéostasie redox, qu'on a vu auparavant. Donc, le système redox, rappelons-le, c'est le système des oxydants et des réductants d'un côté, hein. Si on n'a plus cette balance entre les deux, bien évidemment, l'équilibre entre les réducteurs et les oxydants est vital pour garder un renouvellement cellulaire sain et optimal et éviter les mutations possibles, eh bien, ne va plus pouvoir se faire et va laisser lieu à toutes les maladies de civilisation qu'on a vues auparavant.
Alors, comment se forment les molécules de signalisation redox au sein de nos cellules? Donc, on imagine la cellule comme un petit sac. On a les mitochondries qui sont un peu comme, on pourrait comparer ça à une usine électrique, qui va utiliser les nutriments et l'oxygène que l'on respire. C'est des formes O, hein, avec le petit oxygène. Donc, c'est les formes ROS. Hein, c'est des, comment, c'est les systèmes qui sont réactifs à l'oxygène. Voilà, j'ai cherché la traduction en français. Et ce faisant, donc, on va produire de l'ATP qui est de l'énergie. Et en faisant ce processus donc, de réduction de notre alimentation, donc de nos nutriments et de l'oxygène pour produire l'ATP, on va avoir des réactions secondaires qui sont les molécules de signalisation redox. Elles vont se diviser en deux. On a d'un côté la formule RS qui est anaérobie, donc qui n'utilise pas l'oxygène, et de l'autre côté les redox molécules en ROS, donc, qui sont des systèmes qui utilisent l'oxygène. La formule RS s'attaque aux radicaux libres, hein, donc là on a vraiment une grande aide pour tout ce qui est antioxydant pour le coup, et ça booste en effet l'effet des antioxydants que l'on peut prendre via la nourriture, via les compléments, etc. Et de l'autre côté on va avoir la forme qui utilise l'oxygène, donc le ROS, qui lui va détruire virus, bactéries, et qui va également avoir une meilleure réponse du système immunitaire lié à toutes ces à tout ce qui est lié, on va dire, à la forme ROS, quoi, plus simplement, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails non plus. Sylvie, la suivante s'il te plaît. Voilà. Donc, la biochimie redox, c'est un des domaines de la science à plus forte croissance au monde. Il y a plus de 1200 livres qui ont été publiés sur la biochimie redox, sans parler des études scientifiques, dont l'Institut Marie Curie. On a également CNRS de Bordeaux qui fait beaucoup d'études là-dessus et qui publie beaucoup. On a également beaucoup d'études sur les plantes, parce que pour l'instant, on utilise beaucoup les bactéries et les plantes. Donc là, on a un exemple avec l'Institut national pour le cancer, qui nous dit que les progrès récents de la biochimie des espèces et radicaux libres redox commencent à se traduire par des améliorations dans la prévention et le traitement des cancers. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très poussé, un petit peu trop après, si on veut vraiment détailler la chose. Et voilà, là on a les instituts des sciences du vivant, donc c'est un article de Frédéric Joliot, qui nous dit également qu'une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact physiopathologique constitue un enjeu fondamental en santé humaine, car la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures de maladies, pour la plupart liées au vieillissement, comme cancer, diabète, maladies neurodégénératives, excusez-moi, métabolisme et inflammatoire. Donc là encore, on reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des maladies de civilisation et du stress chronique, hein, et de l'inflammation qu'il génère. Alors, la solution pour combattre les radicaux libres, il n'y en a pas 50, c'est justement de produire assez d'antioxydants pour pouvoir les combattre, et que les antioxydants puissent donner aux radicaux libres ce fameux électron qui leur manque, avant qu'ils ne va attaquer une autre molécule beaucoup plus sérieusement, et qu'il agisse sur le renouvellement cellulaire qui va se faire de façon incomplète. Donc, l'ajout de l'aliment de fruits, de légumes, évidemment, sont des antioxydants majeurs. Mais le problème, c'est qu'actuellement, l'alimentation s'est considérablement appauvrie, comparé même au début du siècle, où les nutriments étaient beaucoup plus forts. Nos grands-parents avaient une nourriture beaucoup plus saine que la nôtre, déjà. Et puis, le fait est que la nourriture actuelle, on ne mange plus non plus ce qu'on mangeait à l'époque. Et on n'a plus cette gamme complète. Souvent, les légumineuses ne sont plus prises en compte. Souvent, les graines, les choses comme ça ne sont plus prises en compte. Alors qu'avant, on mangeait beaucoup plus de choses comme ça. Et la seconde solution naturelle, c'est agir directement sur le fond grâce à un meilleur renouvellement cellulaire et notamment à un meilleur système redox. Donc, améliorer la biologie redox pour justement agir sur le cellulaire et avoir un renouvellement sain et optimal. Alors, avec l'âge, l'alimentation et le stress, évidemment, nos cellules produisent moins de molécules redox. C'est un peu comme pour le CoQ10 ou pour d'autres coenzymes du corps. Ça va diminuer avec l'âge, et pour les molécules redox, ça va diminuer à partir de l'adolescence, hein, puisque on commence à avoir une modification hormonale qui va justement
est liée à une diminution du glutathion, est liée à beaucoup de perturbations dans le système hormonal. Et on va perdre à peu près 1% tous les ans de notre capacité à produire des molécules de signalisation redox, entraînant évidemment carences et déséquilibres, comme on l'a vu. Et tous les processus de guérison cellulaire deviennent lents et léthargiques. Il y a une diminution de la fonction cellulaire et on commence à voir et à sentir les effets visibles du vieillissement, effectivement. Alors, les molécules de signalisation redox sont composées de deux éléments basiques. Donc, on a d'un côté une solution avec de l'eau et du sel. Hein, donc, on a Na et Cl, plus H2O de l'autre côté, HOH plutôt, pas H2O. Et donc, c'est vraiment l'eau, le sel, un processus de fabrication qui dure 72 heures contre quelques millièmes de seconde dans notre corps. Hein, ça va très, très vite dans le corps. Et les liaisons sont rompues entre les atomes. L'eau est donc déstructurée, restructurée, passée par le biais d'un procédé breveté, donc par électrolyse également, hein, le procédé tenu secret puisqu'il est breveté. Et ils sont transformés en molécules de signalisation redox, donc en 72 heures. Elles sont stabilisées, équilibrées. Ça, c'est une véritable percée scientifique parce que jusque-là, même les gros laboratoires et les gros instituts de recherche comme Marie Curie, etc., arrivent évidemment à reproduire les molécules redox, mais elles n'arrivent pas à être stabilisées, elles finissent par mourir au bout de quelques jours ou de quelques heures. Donc là, c'est vraiment une percée scientifique pour le coup et technologique, hein, qui est unique au monde. Alors, ACA est protégée par 7 brevets. Donc, on a les étapes, il faut 3 jours pour faire les étapes qui vont aller de l'étape 1, eau salée très pure, identique au milieu dans lequel baignent nos cellules. À l'étape 2, l'eau salée est décomposée afin de devenir des atomes libres flottants. Et puis l'étape 3, où les atomes sont restructurés entre eux et deviennent des molécules de signalisation redox stabilisées et équilibrées. Alors, on peut comparer la main-d'œuvre, les molécules de signalisation redox à la main-d'œuvre et à l'inspection. Hein. C'est elles qui vont communiquer entre elles et dire « Ah tiens, il y en a un petit bobo là, il va falloir agir sur ça, on a une brûlure là, on a quelque chose là ». Et c'est la communication cellulaire qui va faire le travail. Alors, on a ACA et Renu Advance. Donc, on va avoir ACA pour l'intérieur et Renu Advance pour l'extérieur. Donc, c'est les premiers et seuls au monde, excusez-moi, c'est la fin de journée, hein, qui produisent des molécules de signalisation redox. Donc, on a un approvisionnement qui va être oral, d'une part, avec la forme liquide, et cutanée, d'autre part, avec la forme gel. Et le petit sérum qui va également servir pour vous, mesdames, pour la peau, les yeux, les petites rides, etc. Donc, il y a eu des études. Donc, celle-ci n'est pas validée en France, malheureusement, et on espère qu'elle va le devenir bientôt, sur les gènes qui contiennent le schéma de notre santé. Donc, l'étude a révélé qu'elle pouvait activer jusqu'à 31% de 5 voies importantes dans les signalisations des gènes. Donc, ça va intervenir au niveau de la modulation hormonale, donc une régulation hormonale, le système immunitaire, une réponse inflammatoire qui va être beaucoup plus contrôlée, on va dire entre guillemets, la santé cardiovasculaire et le système digestif qui vont être grandement améliorés également. Alors, ACA, évidemment, est utilisé par les athlètes puisqu'il ne s'agit pas d'un produit dopant. Pour la bonne et simple raison que le corps continue de les fabriquer, hein, même si ce n'est pas en assez grand nombre. Donc, on trouve beaucoup d'athlètes qui utilisent ACA. On va l'utiliser évidemment pour l'endurance et pour la récupération, pour la bonne raison qu'on a le glutathion qui va augmenter. Et donc, par ce fait, une augmentation également du VO2 max de 12%. Ce qui fait qu'on va avoir plus d'oxygène et on va avoir une réserve au niveau glycogène musculaire qui va être beaucoup plus, qui va être beaucoup plus forte. Et on va pouvoir utiliser, un peu comme si on était en cétose, le foie va pouvoir faire des cétones et on va pouvoir utiliser la graisse. Donc, on ne fonctionne plus seulement sur un mode sucre, mais également sur le mode graisse. Et ça, c'est intéressant aussi pour les athlètes. Ça leur évite de consommer trop rapidement leur réserve glucidique et d'avoir cette réserve au niveau de la graisse pour pouvoir continuer à avoir une endurance plus longue et une meilleure récupération également. Donc, les bénéfices du glutathion que les molécules redox augmentent, donc ça, le glutathion est très, très important. Hein. Il augmente l'énergie, il ralentit le processus du vieillissement, évidemment, il réduit les inconforts musculaires et articulaires, il renforce le système immunitaire, il va détoxifier le foie et les cellules, il va améliorer la concentration et la clarté mentale, il améliore la qualité du sommeil et également, il réduit les effets du stress. Donc là, c'est hyper important, puisqu'on a vu pour le stress oxydatif, c'est pas seulement les milieux, mais également le stress qui joue.
ça améliore la qualité de la peau et ça améliore les performances et la récupération. Donc, c'est quelque chose de très global et qui va agir sur plusieurs systèmes. La technologie Redox est brevetée, donc c'est donc quelque chose de complètement unique en son genre. Les études cliniques sont indépendantes. On va avoir Stéphane qui va un laboratoire. On va également avoir tout ce qui est dermatest. Ce sont des normes qui sont très très poussées et très à la limite des exigences pharmacologiques. On a un renouvellement donc des cellules de la peau qui vont être augmentées de 16% avec le Renu. On va avoir 23% de texture de la peau qui va être améliorée, 23% des rides, 20% sur l'élasticité, donc le collagène, le fameux collagène dont on vous rabat les oreilles dans les crèmes de soins, et 50% du flux sanguin sur 4 jours, donc c'est énorme. Beaucoup de clients remarquent les bienfaits après avoir appliqué Renu en 3 fois dans les 5 minutes, et donc sur les zones d'inconfort, hein, ça peut être articulaire ou musculaire, hein, une douleur. Donc ça, pour tous les naturopathes et les praticiens, c'est intéressant de faire les tests avec vos clients pour leur montrer un petit peu également et pour pouvoir aborder avec eux le phénomène redox et le phénomène d'oxydoréductant, hein, qui est très important pour le corps et pour de bon nombre de pathologies. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose à utiliser dans les cabinets et vraiment, voilà, ne serait-ce que pour soulager les clients d'une part et puis pour leur montrer l'efficacité et d'avoir quelque chose de concret au niveau du redox. On peut également faire des tests de kinésiologie avec, c'est très intéressant. Alors, le voir, c'est le croire. Donc là, on a bon nombre de témoignages et de photos. Hein, les personnes témoignent d'eux-mêmes. Hein, donc là, on a sur l'acné, on a sur les rides du cou, on va voir sur quelques petites taches. Donc, ça agit sur les rides, les vergetures, la cellulite et au signe du vieillissement, évidemment, puisqu'on va agir directement sur le cellulaire. Et qu'il faut savoir que les cellules de la peau se renouvellent assez rapidement. Donc, à chaque fois qu'on va leur permettre d'avoir un meilleur renouvellement cellulaire, effectivement, tout ce qui est lié à la dégradation du temps, hein, du vieillissement et puis au stress oxydatif va diminuer assez vite et on va avoir des conditions qui vont grandement améliorer. Alors, Renu 28, sur une seule face. Donc là, on a le docteur Morin qui a essayé Renu 28 sur une seule partie de son visage. Bon, ça, je ne pense pas que mesdames, on le ferait. Hein, c'est pas le but. Mais bon, ça nous montre bien l'efficacité du Renu. Et évidemment, on voit tout de suite sur quelle partie du visage le Renu a été appliqué. Notamment sur les sillons. Là, on voit très bien au niveau des sillons. Alors, le Renu Advance. Alors, c'est le seul et premier système de soins de la peau à base de redox au monde. Donc, on a un nettoyant qui prépare la peau. On va avoir un hydratant, un réparateur. Donc, le réparateur, là, c'est le Renu 28 et l'intensif redox, enfin, le sérum redox, qui sont les seuls à contenir du redox, hein, entre nous. Et puis, on va avoir un hydratant avec la crème hydratante qui est super aussi, qui renforce vraiment qui agit en synergie avec le Renu. Donc, c'est sans parabènes et sulfates, c'est sans danger pour tous les types de peau, c'est testé cliniquement, aucun test sur les animaux, 100% d'amélioration des rides fines, 95% d'amélioration de la texture de la peau, 85% d'amélioration de l'éclat de la peau et 94% d'amélioration du photovieillissement, donc dû au rayon ionisant, comme on parlait tout à l'heure avec le solaire. Alors, vient s'ajouter à la gamme. Alors, moi, ça, j'ai beaucoup apprécié parce que, étant donné que je suis naturopathe, évidemment, en naturopathie, on va faire l'anamnèse, donc c'est un bilan de santé. Après, on va faire vraiment, une fois qu'on a les cartes en main et qu'on sait le terrain de la personne, on va pouvoir agir sur une détox. Et puis, par la suite, on va reminéraliser le terrain et apporter ce qui lui manque. Là, on passe dans l'orthomoléculaire et apporter vraiment ce qui lui manque au niveau des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, etc. Et avec Source, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que tout est naturel, tout est issu de superfood. Et ça agit évidemment en synergie avec ACA. Et c'est un complexe breveté qui permet, donc le bio-amplifie, qui permet d'avoir une biodisponibilité du produit quasi tout de suite. Hein, et une absorption optimale de tous les nutriments qui sont présents dans ViaSource. Alors, dans Source, on a donc 350 g de fruits frais, on a 40 g de légumes de mer, on a 150 g de salade verte, enfin de verre, hein, de légumes verts. On a 120 ml de jus d'herbe, on a 125 ml d'huile végétale de bonne qualité, hein, première pression à froid, plus de 20 vitamines et minéraux provenant d'aliments biodisponibles. Et donc, tout ça est dans Source.
On a un complexe de vitamine A en bêta-carotène, donc c'est le bêta-carotène naturel. Et le bêta-carotène, tous les carotenoïdes sont très importants pour les antioxydants. On a la vitamine C qui va être un booster et qui va permettre vraiment au niveau de jouer sur l'immunité. La D3 hein, qui va jouer sur l'immunité, mais également pour tout ce qui est osseux, capital osseux. La vitamine E qui, comme la vitamine A, sont des gros antioxydants. Hein. Tout le complexe de vitamine B qui est hyper important pour refaire les membranes cellulaires, la membrane intestinale et de la peau notamment. Le calcium qui extrait du algue rouge, donc qui est complètement biodisponible. Le magnésium, zinc, fer, manganèse, chrome et sélénium qui sont sous forme naturelle, donc là, il n'y a aucun problème avec. Et un complexe d'oligo-éléments, donc avec des aliments qui sont certifiés biologiques et qui sont donc des super aliments, on appelle ça les superfoods, dont les goji, la camberge, les myrtilles, le cassis, les bédassailles, la cérola, etc. Et aussi, ce qui est bon à noter, c'est la spiruline et le brocoli, hein, qui sont la douce aussi, hein, la spiruline et la douce, qui vont quand même faire un effet détox et puis un effet absorbant au niveau de tout ce qui est métaux lourds, etc. Donc, il y a une petite chélation qui se crée. On a également un complexe bio-amplifié, donc je vous parlais tout à l'heure, qui est breveté et qui contient de la protéase, amylase, lipase et cellulase, qui sont des coenzymes et qui vont, qui vont participer, on va dire, au phénomène d'absorption. Hein, donc, on va vraiment avoir une bonne digestion et une bonne assimilation du produit. Et puis, on a vraiment, au niveau des apports journaliers, là, c'est vraiment, on a le top, quoi. Avec ça, 4 gélules par jour, on en a assez pour combler tous les besoins nutritifs du corps et ajouter les antioxydants qu'il faut pour pouvoir lutter contre le stress oxydatif. Donc, les principales caractéristiques, c'est 100% vegan, c'est sans OGM, c'est sans gluten. Les capsules sont en cellulose 100% végétale. Et bientôt, donc en septembre, on va avoir un probiotique à spectre complet. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils ont l'air de nous annoncer à peu près 16 souches de probiotiques. Donc là, c'est énorme. Et puis, un complexe de longévité cellulaire qui, espérons-le, va contenir quelque chose qui va contribuer à l'ADN ou des choses comme ça. Donc, j'espère quand même qu'il va être assez... S'il est sur la même gamme que source, c'est assez prometteur. Voilà. Donc, j'attends avec impatience septembre pour découvrir les nouveaux produits et pouvoir décortiquer un petit peu avec vous leur composition. Donc, Redox Technologies est validée par une science indépendante de tierce partie. Donc, ce n'est pas les laboratoires ACA qui vont contrôler ce qu'il y a dedans. C'est Stephen, c'est BioArgilytics. Donc, c'est des laboratoires indépendants. On a également Dermatest, on a les laboratoires Toray qui sont bien connus. On a NC Recherche Campus. Bref, on a toute une gamme de laboratoires et des études qui sont faites par des laboratoires indépendants également. Donc, toutes les études qui ont été faites sur les sportifs, sur les gènes, etc., sont validées par des laboratoires indépendants également. Donc ça, c'est important. Et je trouvais que ça, c'était vraiment quelque chose qui prouvait le sérieux de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a plu également en tant que naturopathe. Pour finir, bon, il faut avoir des attentes réalistes. Hein. On va pas, grâce au Redox, c'est pas non plus un produit miracle, on va pas non plus avoir des résultats au bout d'une semaine. C'est possible, selon les terrains, selon la dégradation du terrain, selon le stress oxydant qui existe, etc. Donc, tout est question de personnes. Et là, on entre encore dans la naturopathie. Donc, chaque personne va avoir des réactions différentes. Donc, il faut pas se leurrer. Il faut au moins 3 mois de prise d'ACA en niveau liquide pour pouvoir voir des résultats concrets. Et les résultats, attention, ne sont pas toujours visibles, ils sont aussi intérieurs. Donc, ne l'oubliez pas, le corps a des priorités et il va réparer ce qu'il y a à réparer en priorité. Et c'est souvent le milieu interne avant d'avoir des résultats au niveau externe. Bon, on peut avoir les deux, évidemment, tout va dépendre des personnes. Donc, ayez des attentes réalistes. Et pour finir, donc un petit mot de Verdis Norton, qui est le fondateur d'ACA. Nous sommes tout au début de quelque chose de grand, avec un grand objectif. Et maintenant, c'est le moment où nous commençons à influencer le futur. Donc, nous pouvons changer le monde. Et c'est vrai que c'est tous ensemble qu'on peut changer le monde. Et les naturopathes et tous les thérapeutes, on est dans cette vague de changement. Et on sent le changement arriver. Et il est temps. Il est temps que les gens se réveillent. Il est temps qu'ils prennent conscience de leur corps et des possibilités d'auto-réparation du corps. Hein. Et que pour l'y aider, ce n'est pas en le bourrant de cachets ou d'autres choses. C'est vraiment en agissant sur le cellulaire, en agissant sur l'ADN, en agissant sur la base, sur le fond. Hein. C'est les problèmes de fond qu'il faut résoudre avant tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence et si vous avez des questions, je vous écoute.
Sylvie, tu peux unmuter tout le monde si quelqu'a des questions. L'enregistrement.